N'écoutons plus seulement les experts, mais sortons des théories. Allons voir sur place. Frottons-nous aux réalités du monde. L'homme aux semelles de vent qu'incarna Michel Lebris, né en 1944, enfant de la République, écrivain, essayiste, journaliste, critique littéraire, fut cet aventurier en rupture avec les idéologies de son temps. Et je vais clore ce petit hommage par un poème de Charles Baudelaire qui dit vraiment l'essence même de ce qu'écrivait Michel Lebris. Je les laisse la musique. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une voile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Et pour clore cet hommage à Michel Lebris, ai-je jamais quitté le grenier de mon enfance, tout au plus ai-je tenté de l'agrandir aux dimensions de l'univers, d'y faire entrer la rumeur de la mer, au dehors et en retour, il m'aura grandi. De René Daumal, Le mot analogue, écrit en 1943. Il y a un petit côté lacanien pour les psys. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. Ouais. Dans le cratère, dans l'immédiat, aime encore, aime plus fort. Traverse les murs opaques, perce le tympan du temps. L'amour est une lave en révolte contre la mort et contre le néant. Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. J'étais très touché par le film sur un plan humain et sur un plan professionnel. Ça m'amène à trois réflexions rapides. La première, c'est qu'on ne dira jamais assez la blessure narcissique, la culpabilité, le sentiment d'une extrême solitude, d'incertitude pour l'entourage de personnes, qu'elles soient enfants ou adultes, qui ont des troubles psychiques. Et que le mot prévention qui a été dit tout à l'heure me paraît éminemment important. Ça n'a pas trop été dit jusqu'à maintenant, mais je pense que la maladie mentale, ce n'est pas qu'une affaire de spécialiste, mais de tout à chacun. Moi, Olivier, qui est un enfant autiste, il a demandé à lire et à écrire parce qu'il travaillait avec le boulanger du village.
et pas avec l'institutrice, parce qu'elle n'avait pas de projet thérapeutique sur lui. Donc comment, pour faire comprendre à une société que la maladie mentale, c'est pas qu'une affaire de spécialistes, la manière dont on traite les enfants, les personnes âgées et les malades mentaux est quand même très significante d'une société où l'humain, quelle place a-t-il ? Regardez le travail remarquable, j'ai eu la chance d'être en partie son élève, parmi plein d'autres, hein, de François Dolto, qui avait créé les maisons vertes, qui permettaient aux parents d'enfants de pouvoir mettre des mots sur une posture, une attitude, une émotion, des sentiments, des ratés, des joies, des échecs, parce que chacun croit qu'il est seul à être seul. Donc le travail que fait la femme, la Ligue des droits de l'homme, me paraît extrêmement précieux, comme tous les groupes d'entraide. Et à Saint-Malo, il y a plusieurs groupes d'entraide où des pères, PAIRS, se retrouvent pour pouvoir parler. Ils ne parlent pas de la même manière que s'ils parlaient à des spécialistes. Il y a ce qu'on appelle tout le courant de la pédagogie et la psychothérapie institutionnelle, qui fait qu'il y a des progrès très sensibles sur la manière de considérer l'autre, non pas comme un malade mental, mais comme un sujet à part entière. Il n'est pas assujetti, on ne peut pas le stigmatiser à sa maladie, et c'est des progrès considérables. Quels moyens une société se donne aujourd'hui pour pouvoir qu'il y ait, on parle de démarche qualité, mais comment, au-delà du slogan, être bien traitant, être bienveillant, ce qui veut dire un personnel suffisamment formé et suffisant. Je suis admiratif du travail j'ai dû ces temps derniers, pour d'autres raisons, à fréquenter l'hôpital. Je vois le travail incroyable que font des infirmiers, des aides-soignants, avec un temps très très limité et un temps si peu nombreux. Alors, ça pose un problème politique. Est-ce qu'on veut que l'hôpital soit au service du capital et soit que dans le rendement, ou est-ce qu'on veut que l'homme soit au centre du soin? C'est pour les fâchés, pas fachos. L'intérieur, c'est à Paris, hein. Comme au PS d'ailleurs. Moi, s'il n'y avait pas de ça.